gueule, Buster! Bonjour, Buster! On dirait que tu es complètement couvert de boue. Tu t'es bien amusé à sauter dans ces flaques de gadou. On dirait que Buster a besoin d'un lavage. J'ignore s'il le sait. Voici le bus de la ville. Oh mince, il n'a pas l'air très impressionné par l'apparence de Buster. On dirait que Buster vient de réaliser à quel point il est sale. En effet, Buster, tu es couvert de boue. Est-ce le signe qu'il faut se laver? Bonne idée, Buster. Le voilà en route pour le lavage auto afin de se nettoyer. Oh, pauvre Buster! Il a trop peur d'y entrer. Ça a l'air très effrayant, n'est-ce pas? Courage, Buster, tu peux le faire. Il faut te laver, tu es si sale. Il entre. Buster est très courageux, en effet. 1, 2, 3... Oh non! Tu y étais presque, Buster! Revoilà le bus de la ville. Oh, il a l'air très impatient. Buster respire profondément. Tu peux le faire. Mais les bruits font si peur. Allez, Buster, tu peux y arriver, tu y es presque. À vos marques. Go! Tu y arrives, Buster! Ça chatouille, ce n'est pas si mal finalement. Et il ressort. Allons, ça n'était pas si terrible, n'est-ce pas, Buster? Tout brillant et tout propre, tu es magnifique. Waouh, bravo, Buster! Ce lavage auto n'était pas si terrifiant après tout. Au revoir, Buster! Hey, salut, Buster! Qu'est-ce que tu as là? Une glace? Elle a l'air délicieuse. Oh non, qu'est-ce qui se passe, Buster? Tu as une dent qui bouge? C'est inquiétant. Peut-être que tu ne devrais pas manger toutes ces sucreries, Buster. Hein? Oh mince, ça a l'air douloureux. Pauvre Buster. Bonne idée, Robin. Buster devrait aller chez le dentiste pour avoir un avis sur cette dent. On dirait qu'il a peur. Oh, cette sucette a l'air délicieuse. Mais tu crois que c'est bien raisonnable, Buster? Aïe! On dirait que ça fait vraiment mal. Pourquoi ne pas manger une pomme, Buster? Quelque chose avec un peu moins de sucre? Je crois que Buster a trop peur de manger quoi que ce soit maintenant. Oh mince, cette dent lui fait encore mal. Pauvre Buster, il ne peut pas rester comme ça. C'est bien, Robin, va chercher de l'aide. Regarde qui c'est. C'est Amber l'ambulance, elle saura quoi faire. Oh. N'aie pas peur, Buster, Amber est là pour t'aider. Tu dois juste être courageux. Ouvre la bouche. Allez, Buster, ouvre bien grand pour qu'Amber puisse voir ta dent. Regardons ça. Oh oui, ça a l'air très douloureux, Buster. On dirait que tu vas perdre ta première dent de lait. Mais ne t'inquiète pas, Buster, on perd tous nos dents de lait en grandissant. Et ensuite, tu auras des dents définitives. Amber sait comment t'aider. Une brosse à dents, mets du dentifrice dessus et brosse bien partout. C'est ça, Buster, tes dents sont belles et propres. C'est important de prendre soin de tes dents. Et hop, on rince. Bien joué, Buster. De la glace va soulager la douleur. C'est bien mieux. Tu vois? Merci, Amber. La dent de Buster ira mieux demain matin. Oh waouh, regarde Buster, ta dent de lait est tombée. C'est bien mieux comme ça, pas vrai? Et une nouvelle dent va bientôt pousser à sa place. Bravo Buster, tu as été très courageux. Oh regarde, c'est Buster et Scout. Ils jouent dans la neige. Ils s'amusent beaucoup à sauter et glisser. Bonjour Monsieur Bonhomme de Neige. Oh, mais qu'a vu Scout? Elle a l'air très excitée. Je me demande ce que c'est, Buster. Oh, waouh! Un étang gelé! Regarde Scout qui fait du patin à glace. Elle est très douée, n'est-ce pas, Buster? Allez, Buster, pourquoi n'essaies-tu pas? Attention! Oh, pauvre Buster, la glace est très glissante. Mais cela n'a pas arrêté Scout. Regarde-la. Je crois que Buster a peur de glisser. Allez, Buster, pas la peine d'être effrayé. Et voilà, tu vas t'habituer. Et voilà Buster lancé sur l'étang gelé.
Ah, ils l'essayent vraiment. Ils s'amusent tellement ensemble à faire du patin à glace. Bravo, Buster. Scout a l'air très impressionné. Oh waouh, regarde Buster qui vole dans les airs. Regarde Buster, tu as fendu la glace. La glace se brise encore plus. Et elle se brise autour de Scout. Elle est bloquée. Buster, que vas-tu faire? Si tu te rapproches, la glace va complètement se briser. Oh, super idée. Monsieur Bonhomme de Neige ne va pas briser la glace, lui. S'il vous plaît, aidez-nous, Monsieur Bonhomme de Neige. Regarde-le, il est en train de sauver Scout. Ah, bravo, Monsieur Bonhomme de Neige. Et quelle réactivité, Buster. Je ne pense pas que Buster et Scout referont du patin de sitôt. Merci, Monsieur Bonhomme de Neige. Au revoir, Buster. Au revoir, Scout. Buster, réveille-toi, il y a un flocon. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Il neige. Waouh, il neige. Oui. Mais attendez, où est le sapin de Noël? Celui-là ne fera pas l'affaire. Oh, regarde, c'est un gentil rouge-gorge. Je me demande ce qu'il dit. Je crois qu'il veut que Buster le suive. Oh, il veut aider Buster à trouver un nouveau sapin de Noël. Ceux-là ne sont pas exactement ce qu'il faut. Waouh, hein? Celui-ci est magnifique. Buster est d'accord. C'est un grand arbre, pas vrai Buster? Ouh, fais attention Buster. Ouh, ça bouge. Ça bouge, continue Buster, tu y es presque. Wouh, et voilà. Buster est en route pour le ramener au garage. Je me demande si l'arbre passera. Il est vraiment énorme. Attention au virage, Buster. Oh non! Derrière toi, Buster, tu as perdu l'arbre. Regarde derrière toi. Vite, 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 Buster. Dépêche-toi, retourne-toi. Oh non! L'arbre dégringole. Vite, Buster, essaye de le rattraper. Maintenant, il rebondit à travers les lumières de Noël. Vite, Buster! Penses-tu que Buster va le rattraper? Continue, Buster! Oh non, Buster, que va-t-il arriver à ton arbre de Noël? Quelle chance, Buster! C'est un soulagement. Il est magnifique. Au moins, tu n'as plus besoin de le décorer maintenant. Quel arbre de Noël fantastique! Heureusement qu'il a terminé en un morceau. Oh, regarde! Voilà Terry et voilà Scout. Ils sont venus pour célébrer les fêtes de Noël avec Buster. Peignons, peignons, tout plein de formes. Splish, splash, splash, des formes partout. Quelle forme vois-tu ronde comme le soleil? Un cercle tout rouge, hey, ça a l'air drôle. Peignons, peignons, tout plein de formes. Splish, splash, splash, des formes partout. Quelle forme vois-tu? Un beau carré à quatre côtés, Scout le peint tout en bleu. Peignons, peignons, tout plein de formes. Splish, splash, splash, des formes partout. Quelle forme vois-tu, Digger? Que fais-tu? Un très beau triangle rempli de peinture jaune. Peignons, peignons, tout plein de formes. Splish, splash, splash, des formes partout. Quelle forme vois-tu? Un rectangle tout en vert et une étoile dorée, la plus belle que j'ai vue. Quelle forme vois-tu? Un joli cœur rose. Peignons, peignons, la forme multicolore est un losange. Peignons, peignons, tout plein de formes. Splish, splash, splash, des formes partout.
Alors tu peux jouer, allez, viens. Buster, tu ne vas pas bien. Tes roues ne soutiennent plus rien. Reste ici et attends-moi. Bientôt de l'aide arrivera. Voyons voir qu'avons-nous là. Ne est à plat, arrangeons ça. Et voilà, Buster va mieux. Attendez, achoum. Buster, tu as éternué. Prenons ta température. Tu iras mieux, je t'assure. Mais vérifions ton moteur. Buster fonce dans les flaques avec un splish, splash, splosh. La boue s'envole partout, il va devoir se laver. Terry Tracteur a un plan, rester sec si il le peut. C'est une journée très humide. Buster accélère, regarde-le. Terry droit devant, ralenti. Oh non! Buster fonce dans les flaques avec un splish, splash, splosh. Ralentis, Buster, il ne faut pas te blesser. Il serre les freins, mais fait une chute. Buster est coincé dans la boue. Buster s'est mis dans le pétrin. La nuit arrive, il est toujours coincé. Regardez qui arrive pour le sauver. Terry le tracteur est là pour un. Terry roule dans les flaques avec un wish, wash, whoosh. Se met derrière Buster et puis le pousse. À la une, à la deux, à la trois, Buster est sorti de là. Les roues de Buster tournent à nouveau. Autour des flaques avec un splish, splash, splish. Et un splish, splash, splosh. Buster, il faut te laver. Hey, salut Buster. Salut petit Robin. C'est bien Buster, regarde bien des deux côtés avant de traverser la voie ferrée. Waouh, c'était moins une. C'est qui le train, ne regarde-t-elle pas où elle se dirige? Voilà Otis, la voiture de police. Quelque chose ne va pas, vite Buster. Peut-être que tu peux aider. Oh non, Suki s'est endormie. Si personne ne l'arrête, où finira-t-elle? Qu'allons-nous faire? Attendez, je crois que Buster a une idée. Une corde, bonne idée Buster, tu peux l'utiliser pour ralentir Suki. Bravo Robin. C'est ça, tire, tu peux le faire. Oh non, la corde s'est cassée. Suki est toujours hors de contrôle. Je crois qu'elle va encore plus vite désormais. Tu dois la rattraper vite. Qu'est-ce que Buster a repéré? Oh mince, c'est Digger. Suki se dirige droit sur lui et ne l'a pas vu. Une autre voie, en montée cette fois. Attention Buster. C'était moins une. Bien évité Buster. Tu dois dévier les rails, Buster, pour que Suki aille en montée. Vite, Buster, tu peux le faire, tu y es presque. Oui, juste à temps. Bravo, bien joué, Buster, tu as dévié la voie. Suki est en montée, cela va la ralentir.
là, doucement. Elle s'est arrêtée. Je crois que Suki se réveille. Quel soulagement, personne n'a été blessé. Bravo Buster, tu as aidé Otis et tu as tout arrangé. Buster qui est heureux, c'est Buster qui est heureux.